Levine, c'est bien tiré. Point de pénalty et encore une parade de Sadler. Cette défense de Saint-Privé, 16e but en deux matchs. Il a inscrit tous les buts pour l'instant monégasque en Coupe de France. Qui va s'arracher sur ce coup de tête qui est bien repoussé par Châtelain. Jovetic encore superbe, le capitaine monégasque là qui monte la voie. Châtelain mais peut-être pas assez fort, pas assez loin. Et qui est abattu avec son pied gauche, il l'a c'est mérité. À la 11e minute, vous voyez, qui vient récompenser un triple ouais. Qui est encore en coup, vous l'avez souligné. Exactement, Jovetic qui sort les trois grosses occasions monégasques. C'est monté de Golovin. S'avance, il va frapper la frappe de Golovin. Capté par Châtelain. Son pied gauche, pas son meilleur pied, elle est un petit peu écrasée. Pas... Ça, c'est ce qu'il y a de pire. On lance Ben Yedder en retrait, ça va faire Gamel. Encore une fois, Keita Baldé, doublé contre Reims, doublé pour le monégasque. 2-0 pour Monaco. Là, ça va être plus compliqué. Les joueurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire qui perdent le ballon trop vite, là, à 20 mètres de leur but. C'est ce que, voilà, la relance du gardien qui joue. Et là, le ballon va aller. La qualité. Ben Yedder, là, qui fait le bon appel, qui est bien servi par Jovetic et qui redonne tout ce qu'il ne faut pas faire face à des équipes du niveau de Monaco, perdre des ballons. Sinon, trop en jeu, Ben Yedder. Mais bon, ballon. Il y a du monde. Ça se précipite avec Ben Yedder. La frappe de Ben Yedder. Ah, et ça. Monaco fait un gros pas vers les huitièmes de finale de la Coupe de France. Gasque conclué par. Magnifiquement par Ben Yedder, mais Augustin qui met exactement dans le bon tempo ce ballon à Aguilar. Qui, pour Ben Yedder, le contrôle, pied gauche, enchaîné, frappe pied droit. C'est oh, ce grand poteau, il y a du monde, faut contrôler, faut frapper. Ouais, et le voici. Et c'est le buteur des 32e de finale, Carnegie Antoine. L'homme providentiel, mais l'homme de, voilà, de ce match offensivement, du côté de tous ses efforts et de ses situations qu'il a eues. Qui est dévié en fait par Maripán au second poteau. Ballon et c'est Moutia Poulet et ouais qui met fort, voilà, très bien joué, et là le buteur bim, voilà, qui réduit les scores et qui